Et bonjour à tous. Alors là, je vais faire une petite vidéo spéciale parce que j'ai fait une petite acquisition. Alors là, vous pouvez voir que les Sun Gaia ont dégagé du terrarium et donc ben j'ai craqué. Observez ceci. Alors donc ça, c'est des jeunes Heteroptera hidatata L1. Donc voilà, donc j'ai craqué, j'ai pas eu la patience d'attendre les éclosions, hein, parce que là il me reste au moins 4 mois d'incubation pour les œufs. Donc j'ai craqué, j'ai vu une petite annonce là sur le bon coin et ils proposaient des jeunes dilatata. Donc j'en ai pris une 10 comme ça et il y a 5 mâles et 5 femelles. Donc là on peut voir les petites femelles. Là on peut. Je vais essayer de faire le point. On peut voir qu'on peut déjà les sexer, hein. On voit déjà un peu l'oviscap là au bout de l'abdomen. Voilà. Elles sont vraiment très belles quoi, je suis super content. Alors pour comparaison, voilà la taille que ça fait à peu près avec mon doigt à côté. Donc ça fait déjà un bon 3 cm à la naissance. Alors faut savoir que c'est des L1, ils sont peut-être. Ils ont dû sortir ce mois-ci. Et voilà, ouais, ils sont complètement ouf quoi, je suis content, c'est la première fois que j'en vois. Donc là, là on peut voir y a 3 femelles là. Et il y a aussi y a des mâles. Je vais essayer de vous en montrer un. Hop, délicatement. Ah, parce qu'ils sont quand même. Tac, je vais le poser là. Pourquoi vous le voyez mieux? Ah ben grimpe. Ah, il est vraiment trop. Ah, c'est complètement dingue quoi. Je suis vraiment amoureux de cette espèce et même les tout jeunes comme ça, ils sont vraiment ouf. C'est vraiment dingue. Donc là, il y avait un petit mâle. Je vais essayer de vous en montrer un autre. Ah ben il y en a un là. On peut voir. Bon, les mâles, ils ont tendance à avoir une petite tache comme ça au bout de l'abdomen. Petite tache blanche. Tac. C'est un peu à ça qu'on les reconnaît. Et aussi à la largeur, on voit qu'ils sont un tout petit peu plus larges au niveau de l'abdomen. Est-ce qu'il va faire le point? Ah, ce serait beau, vous aurez des belles images comme ça. J'essaierai d'investir dans un vrai appareil photo vers le mois de décembre. En attendant, voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu mon achat, je suis très content. Alors là, faut savoir que je les ai payés 30 euros les 10. Donc c'est le prix normal hein, pour du tout jeune comme ça. Ça va. J'estime que c'est raisonnable. Donc voilà. Donc voilà, bah, j'étais super content de vous montrer un peu cet achat là. Voilà, donc bah, vous allez pouvoir suivre tout le développement hein, du stade L1 au stade adulte. Donc voilà. Super, donc vous aurez des nouvelles dans le prochain suivi d'élevage de tous ces petits jeunes. Et voir, j'espère qu'ils vont bien se développer. En tout cas, je vais tout faire pour, et puis ben, je vous tiens au courant de tout ça, et puis passez une bonne soirée, une bonne journée, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, si vous avez aimé ce contenu, et voilà. Voilà, bon, à la prochaine!